vidéo numéro 8. Suivi et commercialisation. Cette vidéo fait partie d'une série réalisée pour le programme de gestion durable de la faune sauvage et vise à fournir des conseils pour une production avicole familiale réussie. Elle concerne tout particulièrement les élevages et les petits élevages extensifs en liberté, mais elle sera aussi utile pour les systèmes de production semi-intensifs. Le suivi. Vous pouvez produire des poulets pour votre propre consommation de viande et d'œufs ou pour les vendre. Dans les deux cas, suivre votre production, l'argent que vous dépensez et l'argent que vous gagnez vous aidera à optimiser votre bénéfice. En bon éleveur, vous devrez observer chaque jour le comportement de vos oiseaux et l'état de leur plumage. Cela vous permettra de comprendre s'ils sont productifs et quelles interventions seront éventuellement nécessaires. Ceci vous permettra également de détecter précocement les maladies, la malnutrition ou tout autre problème et vous aidera à agir avant que la situation ne s'aggrave. Par exemple, si la production d'œufs diminue brusquement, il peut y avoir un problème dans le poulailler ou au niveau de l'alimentation ou de l'eau. Si la production d'œufs diminue graduellement, il est peut-être temps de réformer vos plus vieilles poules. Lorsque vous ouvrez l'enclos et que vous y entrez, restez immobile jusqu'à ce que les oiseaux s'habituent à votre présence, puis reprenez votre attitude normale. Prenez les oiseaux un à un et examinez-les. Lorsque vous travaillez avec les oiseaux, tous vos sens doivent être activés. Oui, écoutez le pipiment et la respiration des oiseaux. Vue. Observez la répartition des oiseaux dans l'enclos, leur comportement et leur activité, les réservoirs de nourriture et d'eau et les signes de parasites et de vermines, etc. Odorat. Est-ce que l'air est frais ou fétide? Y a-t-il des aliments moisis? Toucher. Comment est le jabot de vos poussins? Quelle est leur température? Un oiseau en bonne santé est actif et vivace. Il tient le cou droit et a les yeux qui brillent, un derrière propre, un plumage propre et doux et des pattes fortes. Au bout de quelques temps, vous connaîtrez votre troupeau à la perfection et vous serez capable de remarquer le moindre élément inhabituel. La tenue des registres. Il est recommandé de tenir des registres et de les remplir une fois par jour ou par semaine. Plus le troupeau est grand, plus il est important de tenir des registres. La complexité des registres varie en fonction de vos besoins et de votre activité. Voici un exemple de registre pour un système en liberté extensif ou un système semi-intensif. Dans cet exemple, pour la période considérée, il y a eu 15 nouveaux animaux dans le troupeau, 5 poussins éclos et 10 achetés. Et 6 ont été éliminés, un poussin mort, plus 5 poussins vendus. Ainsi, la taille totale du troupeau a augmenté de 9 oiseaux. 15 moins 6 égale 9. Pour cette même période, le coût total a été de 14 $ pour le matériel du poulailler, plus 10 $ pour les poussins, égale 24 $. Le revenu total a été de 25 $ venant des poulets, plus 5 $ venant des œufs, plus 4 $ venant du fumier, égale 34 $. Ainsi, la recette, revenu moins coût totaux, est 34 $ moins 24 $, égale 10 $. La commercialisation. Si vous pensez vendre une partie de votre production, prévoyez et évaluez le prix de marché pour chaque type de produit que vous voulez vendre, comme les poulets, les coqs, les poules, les poussins ou les œufs. Les fientes des poulets sont aussi riches en nitrogène et autres minéraux et peuvent être vendues ou échangées comme fertilisants pour les végétaux ou les étangs à poissons. Qui tuera les volatiles? Comment allez-vous les transporter au marché? Les coquelets doivent être vendus dès qu'ils sont assez grands pour en tirer un bon prix, car pour fertiliser les œufs, il suffit d'avoir un coq pour environ 10 poules. Les vieilles poules qui ne pondent plus doivent aussi être vendues. Pour améliorer les qualités de votre troupeau, veillez à garder les oiseaux qui produisent le plus et mangez ou vendez ceux qui sont les moins rentables.
Message à retenir. Observer votre troupeau tous les jours vous permettra de réagir rapidement si un problème se présente. Tenir des registres de votre production, de vos dépenses, de vos entrées vous permettra d'optimiser vos bénéfices. Si vous prévoyez de vendre vos oiseaux, évaluez à l'avance le prix et les conditions de vente. Gardez les meilleurs oiseaux dans votre troupeau et mangez ou vendez les moins productifs.